Irvine, retourne à la prison du désert. J'obéis aux ordres de ton père. On va à Deling City. Aïe, mais ça va pas la tête? On retourne aider les autres. Aucun sens. Ils s'en sortiront seuls, ils trouveront un moyen de s'évader. Comment peux-tu en être sûr? Squall n'obéit qu'aux ordres, alors si personne lui ordonne, il restera. Je veux pas qu'il croupisse en prison pendant 50 ans, on doit les aider. C'est un peu loin dans le passé quand même, ouais, un peu. Je dois employer la manière forte. Qu'est-ce qu'elle branle? Aïe, oui, ça fait mal! Wow! Trop stylé. Ok, on y retourne. Après, en même temps, déjà, Elon n'était pas sûr de pouvoir emmener Squall dans le passé de Morissette, donc là, c'est déjà pas mal d'avoir réussi à faire ça. Elle va ajuster le tir, je pense. La bague de Squall, je sais pas où il l'a achetée. Je voudrais la même, je la trouve superbe. Tu parles de celle avec une espèce de monstre dessus, hein? Oui, celle-là. Si tu veux, je peux te faire la même. J'aurais pu être faussaire, tu sais. Une copie? Quelle bonne idée! D'ailleurs, c'est vrai ça, là, la bague. Faut la récupérer. Sauf qu'il faut que Squall me donne l'original comme modèle. Mais c'est impossible. Elle est techniquement dans le passé d'Irvine et Zell. Eh, pas bête. C'est vrai. Ah bon, pourquoi? C'est trop gênant. Mais pourquoi? Oh, tu es âme. Ami. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je réagis pas du tout bizarrement. Elon, ce n'est pas ça, c'était bien trop loin. Excuse-moi, réessayons. Et du coup, pendant ce temps-là, Elon se rince l'œil. Où suis-je? Là, c'est le moment où tout a déraillé. Morissette. Et c'est le moment où elle roule une pelle à Cypher aussi. Ce n'est pas Morissette. Cypher, noble chevalier, la sorcière est vivante. Ultime Messia, la sorcière du futur possède Morissette. Elle s'y est réincarnée à partir des DA. Où est Morissette? Retrouve la légendaire lunatique Pandora cachée en deçà de l'océan. Ceci fait, la sorcière pourra satisfaire l'ensemble de tes rêves. Morissette, où es-tu? Du coup, je t'obéirai, Ultime Messia. Du coup, Cypher est juste un gros pourri. Genre, Edea et Morissette sont contrôlés, donc c'est pas leur faute. Squall, j'ai peur. Mais Cypher, lui, fait ça en toute décontraction. Morissette! Française, français, bonsoir à tous, et bien bonsoir, Dramo. Qui est là? Sortez! Enfin plus seul. Ah bah, super. Moi, je compte pas. Morissette! Elon! Alors, tu as réussi? Tu es parvenu à modifier son passé? Je n'ai rien pu faire, je suis désemparé. Je me souviens de ce regard. Tu me regardais comme ça lorsque tu étais petit. J'appelais ça le regard de chien battu, tu te souviens? C'était il y a longtemps. C'est vrai, le présent est plus important, je m'en suis aperçu. Je dois aider Morissette. Rien n'a jamais été aussi important pour moi. Alors parle-lui. Ta voix ne peut l'atteindre, mais ton cœur, oui. Tu es prêt? Je t'envoie dans un passé très récent, ok? Ok? C'est la fin, non. On est toujours CD3 sur 4. Et Groudon est suisse et pas belge. Épuisement du système de survie dans 15 secondes.
Je veux m'en sortir. Mais comment? Je suis belle, jeune fouet. Je ne peux rien faire. Je vais dériver. Jusqu'à la fin des temps. Système de survie épuisé. Non. C'est ainsi que Lino est morte. C'est terminé. Je vais mourir. Arrêt immédiat du système de survie. Je fais bien le mec qui meurt. Appelez-moi Marion Cotillard. Je ne peux plus respirer. Squall. Morissette, non! Ah bah super. Tiens bon, Ultimessa s'est emparée du corps de Morissette après la fin du combat contre Edea, s'est servie d'elle pour libérer une autre sorcière, Adèle, avant de l'abandonner lâchement dans l'espace. Fin. Et t'as oublié de parler du frigo géant. Adieu. Fais bien le mec qui suffoque surtout, on dirait que tu fais ça souvent. Exactement. Morissette, tu m'entends? C'est moi, Squall. Est-ce que tu me reçois? Morissette? Tu vis dans l'ISS Lund en fait. Exactement. Tout ça n'est qu'un décor. Morissette, tu peux pas mourir. Tu te souviens de notre promesse? À mourir. Tant que l'un de nous sera vivant, l'autre ne pourra pas mourir. Elle est belle dans la mort, ouais. Non mais le personnage est joli, hein. C'est con qu'elle est occupée de mourir, mais... Ils nous font une mise en scène à la FF7. En vrai, je pense que les gens qui ont fait FF7, qui ont été choqués par la fameuse scène, on ne spoilera pas, et qui ensuite joue à FF8 et qui voit ça, je pense qu'ils ont un sentiment de en mode putain, this is happening again. Ça a moins de charme parce qu'elle s'appelle Morissette, mais tranquille. Mais non, au contraire, ça a plus de charme. Elle est charmante, Morissette. Elle a un 06. Même dans les moments comme ça, sans être marquant du jeu, hein. Le jeu est chiant parce qu'il se passe rien. Attendez, on va l'attraper, là. Hop. C'est bon, je vais le choper. Je préfère mon Maurice. Non. Elle pleure. Je suis toujours... Ouais, je suis prêt. À la choper. Vivante? Squall? Oh, c'est vraiment des bagues de fiançailles.
C'est les anneaux, quoi. C'est là qu'elle pète sa combi. Elle pète dans sa combi, pardon. Ça rajoute de l'air. Je vais la retrouver. Tu n'as pas eu besoin de moi. Merci, Lelon. Tout seul dans le vide sidéral? Il est fou, il ne pourra pas revenir. Son système de survie va s'épuiser, ils vont mourir tous les deux. Oh putain, Morissette, où es-tu? Te retrouverai, je te le promets. Censé faire comment? Je dois me placer en face d'elle pour l'attraper. J'aimerais bien, mais... Comment ça marche? Ouais, je bouge le joystick, hein, mais... Ouais, j'ai le joystick vers le bas gauche, par exemple. Là, je fais plus rien. Vers le haut. Ah non, bah oui. Perdu. Ça déconne plus la vue FPS. Et non, mais elle était beaucoup trop vers le bas, je vais la louper. Bon, je suis censé me mettre en face d'elle. Ou alors en faisant un 360 vers le haut. Bah, je l'ai loupé. La merde. Morissette va disparaître dans l'espace. Faut commencer, mais... comprends pas. Morissette, où es-tu? Ah, bah là déjà, c'est plus simple. Elle est au milieu. Je te retrouverai, je te le promets. Je dois me placer en face d'elle pour l'attraper. Bah ouais, mais c'est beaucoup plus simple, c'est quand elle est déjà de base au centre de l'écran. C'est quoi ce système random? N'a aucun sens. Là, évidemment, ça marche mieux. Bienvenue dans le pire mini-jeu de FF8. Bon, en fait, attends, tu mets bien les mini-jeux de tape sur la gueule avant de parer. Bah, du coup, là, ça va, il y a moins de try. Mais en fait, si c'est conditionné sur la chance de pop de Lino, enfin de Morissette, c'est de la merde. On dirait que tu bouges pas, c'est nul. Bah, je bouge pas, hein, je tourne. Et ma tête dans ton cul! Voilà, second try, facile. Je te tiens. Oula, je rentre en toi par contre. C'est très bizarre. Squall, merci. J'ai entendu ta voix. Je sais. On va s'en sortir? Non. À ton avis? On ne peut pas bouger.
On ne peut plus respirer. Ce sont les symptômes de l'amour. Pas le moment de plaisanter. Je veux au moins sauver Morissette. C'est quoi ça? Morissette, tiens bon. Il se propulse comment là au juste? Quel est ce vaisseau random qui pop comme ça de nulle part? Ah non, c'est un mob. Je sais pas. C'est le mélange entre un mob et un vaisseau spatial. Un peu particulier. Ah ça, je peux bouger, d'accord, très bien. Non, c'est pas moi qui bouge, je sais pas. Non, c'est pas moi qui bouge. Mais ça suivait mon joystick. Par contre, là, il s'accroche à quoi? Parce qu'a priori, c'est lisse, hein, comme surface. L'hydre. Succès déverrouillé. Oh là là, c'est vraiment pas mal de chance, hein, de tomber sur un vaisseau spatial. C'est vraiment, hein. Ah, c'est... Voilà, hein. Un point de sauvegarde. Ouk. Ils sont vachement droits, quand même. Yes! Yes! Yes, 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 yes. Remplacer... Selfie, donne tes pouvoirs... à Maurice... Non, c'est pas elle, c'est Zelle. Donner ses pouvoirs. Bien ça. Oui. Et bien évidemment, toujours la petite potion qui casse les couilles. Et d'ailleurs, en vrai, attendez parce que j'ai... Toi et toi, vous en avez... Sauvegarder. Patrick de tomber sur un pas de sauvegarde ici. Grave. Hein. C'est tellement mal fait, n'empêche. Même là, hein, regarde. Il marche, mais en lévitation. Dieu merci, il y a de l'air. Bah là. Ouais, voilà. En haut, c'était ouvert encore, mais. C'est bon? Ch'tong, ch'tong, ch'tong. Comment ils font pour marcher? La pesanteur, tout ça. C'est pas parce que t'as plus de tenue spatiale que t'es plus en apesanteur en fait. Quoi? Merci Squall. Tu m'as encore sauvé la vie, merci du fond du cœur. Je ne pouvais pas te laisser, c'était plus fort que moi. Je veux bien comprendre que c'était dur pour l'époque de faire ça, mais à quel moment les devs se sont dit c'est parfait et trop réaliste OMG. Qu'est-ce qu'il y a? On ne pouvait rien faire avant à cause de la combinaison spatiale. Ah? Un petit câlin de remerciement? Un quoi de remerciement? Tu mérites bien ça. J'ai besoin de me sentir vivante. Vivre. C'est survivre qui est difficile. Nous ne sommes pas au bout de nos peines, tu sais. Personnellement, que tout ce passage dans l'espace est le pire du jeu. Ah. Pour continuer, nous allons devoir retrouver les autres. Je ne veux pas devenir un souvenir. Exactement. Ben, en termes de gameplay, il se passe pas grand-chose, donc oui, c'est un peu de la merde. En termes scénaristiques, ça peut aller, même s'il y a des trucs un peu bizarres. Mais que... Oui. Ah. Ah. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Le passage avec Lenoa doit être bien placé dans mon top. Hein? Ah, elle a rattrapé. Ouais, elle a rattrapé, par contre, c'est de la merde. Ça n'a pas l'air très amical. On va essayer de passer sans se faire voir. On doit s'attendre à tout. Mieux vaut vérifier notre association. Ben, c'est fait, du coup. À moins que t'aies changé ceux de Squall.
Ça ne sert à rien, c'est bloqué, il va falloir descendre. Pas peur, hein. Mince. Il y a moyen de l'esquiver ou pas? En vrai. Ah, j'ai une nouvelle Gunblade en plus. Aphasie, alors ça c'est chiant déjà. Ouah, 300 de dégâts. Musique de boss égale non. Bah écoute, si, c'est un... J'ai chopé des rocs féeriques, je suis super content. Aïe. Morissette, vole lui soin max, tu le lances, hop. Bah du coup... Oh putain de merde. Oh putain de merde. Mais non, mais... Mais nique ta mère, genre au bout d'un moment, laisse-moi jouer quand même. Oh, j'aimerais trop avoir Phoenix dans un cas comme ça. Mais non, putain! Pourquoi... Ça cible automatiquement les morts, putain, je m'y attendais pas. Mais... Un game over sur le premier mob du vaisseau. Bah ouais, mais regarde. Regarde ce qui se passe un peu à l'écran. C'est honteux. Mais... J'ai perdu, salut. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer au juste? On en parle ou on fait semblant de rien et Silence, into soin qui ne fonctionne pas deux fois d'affilée, into mort, into j'essaye de survivre mais il m'enchaîne, into mort. Bienvenue dans le pire passage du jeu, tu vas roter du sang, enculé. Ok, yes. Il y a beaucoup quand même de pires passages, hein, Groudon. J'ai l'impression. Je vais sauvegarder après cette scène. Pour éviter de se la retaper. Les spécialistes appellent ça de la merde. On est techniquement toujours de l'espace. Alors oui. Bah, de toute façon c'est simple, on va essayer de l'esquiver. Hein. J'ai vu qu'en plus il a même pas de d'invoque à choper. Donc ce combat n'a aucun intérêt, à part mourir. Et je sais pas, quand on est dans l'espace, techniquement on flotte, non? Du coup là on n'est pas dans l'espace. Vite, abaissez-vous. Du coup, quand je disais que ce passage de l'espace c'était le pire du jeu, ça comprend également ce passage. Yes. Bah, Inch'Allah, hein, que je réussisse à l'esquiver. Mais non, mais d'où? Mais je me suis pris un mur invisible.
Vas-y, ça saoule. Nosferatu. Ah, mais il a ses soins. Sa magie est différente. Nani? Mais c'est nul. Hé, je m'en fous, c'est Nosferatu qui tank. Carpathes Knight. Je comprends rien à ce jeu. Pourquoi là l'ennemi il a une des magies différentes? Genre d'où c'est random en fait? Écrabouillé. Mais ça veut dire qu'il a pas de vie en fait. Et il tape moins fort là. J'ai chopé une version plus faible du boss. Faut lire trois messages au-dessus. Bienvenue dans le pire passage du jeu, tu vas roter du sang. Bah non, là du coup je rate pas du sang. L'ennemi est plus faible. Par contre, là, le mode turbo va moins haut. Ah, attends, il est pas mort. Nani. Ramo s'est barré. Ouais, bah, je le comprends. Par contre, il aurait pu dire au revoir. La politesse, tout ça. Non! Fuck! J'ai appuyé une fois de trop. Je suis deg. Les dégâts qu'inflige Nosferatu sont un peu particuliers. Mais c'est pas Car qui l'utilise en gros. Enfin, un genre de Car. Il va se relever, 100% il va se relever. 100% c'est comme le Nemesis, il va me poursuivre. Ad vitam aeternam. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Je sais plus ce que je voulais faire. Si, regardez ça. Ifrit. Ben non, Morissette, il est encore, encore content, je sais pas. Pas car. Nemesis, dans Resident Evil 3. Nemesis, c'est un. C'est un mob. Un gros mob qui te follow. Qui te suit, quoi, et qui veut ta mort. Ah, je pouvais pas fuir. Et il est jaune, celui-là. Ah, celui-là, il est fort. Ah, il a soin max. Ok. Yes. Sur Morissette, s'il te plaît, elle a de la résistance à la foudre. Quoique, je crois que Squall aussi. Ok, du coup, ça fait pas beaucoup de dommages. On va le piller parce que voilà, on est fils de pute. Je vais voler des rocs féeriques parce que why not. Ok, et là, on va faire tanker les invoques. Ça me paraît être un bon plan. Par contre, j'ai pas beaucoup de potions pour les invoques. Voilà, on a retrouvé un Ifrit où on peut faire un bon turbo.
Ah, il est pas mort. Golgo. Ah non, je suis pas. Je suis aveugle. Mais c'est pas grave. Aïe. J'ai bien fait de prendre des consommables, des potions avant de venir dans l'espace. Hein. Corona. Ifrit. Alors. Lassique. Potion. Ok. C'était qui a chopé un truc là? C'est lui. Figure up. Association de Moritzette, capacité. Yes, elle a plus de vigueur. On est content. Du coup, maintenant je peux aller là, dans cette salle. L'ennemi est mort. Rapport sur les aliénators présents dans ce cargo. Tous les monstres à bord du vaisseau ont été abattus, mais nous consignons ici des infos au cas où ils réapparaîtraient. Les aliénators sont féroces, rapides et ils mesurent de 3 à 6 mètres. Ces carnivores ont dévoré plusieurs membres de l'équipage. Il existe 8 aliénators indépendants. Mais ils constituent un seul et même être. Vous devez les tuer dans un ordre précis sans en oublier aucun. En effet, si vous tuez un monstre, celui-ci faisant partie d'un tout, il pourrait être ressuscité par un autre alien ayant les mêmes caractéristiques. Les 8 monstres forment une entité unique afin de protéger leur refuge. Ils semblent immortels, mais vous pourrez les détruire définitivement en suivant une règle logique. Si nous donnons à chacun des aliénators une lettre de A à H, B peut ressusciter A, D peut ressusciter C, et ainsi de suite jusqu'à H. Si vous tuez B, juste après A, A ne pourra pas être amené à la vie. Nous avons établi que les monstres ressusciteurs présentent des caractéristiques identiques. C'est tout ce que nous savons pour l'instant, bonne chance. Donc en gros, on doit les tuer par paire de même couleur, c'est ça? Alors c'est pas ce que j'avais compris, mais d'accord. J'ai pas croisé de jaune, je crois. Bureau de sûreté activé, ok. C'est le violet. Là, c'est le rouge. C'est chiant. Bon, je peux tuer le violet et je sais où est l'autre violet, du coup. Ah, ça y est. Un vol raté. Et je me tape. J'ai eu qu'une chance une fois d'avoir un bas level, mais sinon je me tape que les forts. Ce qui m'emmerde un petit peu, hein, on va pas se mentir. En vrai, faudrait pas que je m'emmerde. Faut que je lance mes GeForce direct. En 2 GeForce, je tue le mob. Du coup, si je lance direct mes GeForce, bah, les invoques vont tanker et tuer l'ennemi. Par contre, il faut que je soigne mes GeForce. Il est cool ce jeu. Trop, j'adore. Je pense que c'est mon FF préféré. Je vais devoir changer sous le stream hein, et mettre que mon jeu préféré c'est FF8. Il ment, l'écoutez pas. Voilà, si on me croit, je sais pas ce qu'il faut faire pour faire comprendre le second degré. Hein, parce que...
me paraît évident.